lumière de cet appel devienne manifeste. Laisse que cette gloire qui est la conséquence de cet appel devienne manifeste. Tu as dit tout ce que tu as appelé. Tu les as glorifiés. Ce n'est pas une promesse. Tu l'as fait. Laisse que cela se manifeste ce matin. Laisse que cela se manifeste ce matin. Dans la vie de chacun de nous. Que partout où nous allons. Que ta gloire se manifeste. Tu as dit dans ta parole. Lève-toi, sois éclairé. Car la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Oh Père, que cette gloire s'élève ce matin. Dans la vie de chacun de nous. Dans la vie de chacun de nous. Que la gloire de Dieu s'élève dans ton travail. Dans ton foyer. Dans tes affaires. Dans tes finances. Dans ton ministère. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen et acclame le roi de rois. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Amen. Amen. Mets-toi un moment. Nous allons faire notre service d'onction d'huile. Mais avant que nous procédions à ce service, j'aimerais que tu retiennes une chose dans la parole de ce matin. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Tu ne peux vivre la gloire du Seigneur que si Jésus est en toi. Et Jésus est en toi parce qu'il t'appelle et tu réponds à son appel. Être à l'église ne signifie pas forcément avoir répondu à son appel. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, qui prient Dieu donne-moi ta gloire, mais qui n'ont jamais répondu à l'appel. Alléluia. Amen. Paul dit, pour la Zoloba, Christ en nous, Christ au Kati Nabiso, l'espérance de la gloire. Elikia na Kembo. Si Christ n'est pas en toi, soki Christ na Kati na yote, tu ne peux pas espérer la gloire. Okokite ko likia na Kembo. Alléluia. Amen. Tu peux prendre l'huile d'onction. Oyikozo mafuta n'est pas quoi? La Sainte Seine. Et Lambo. Donner les grandes offrandes selon toi. Mais si Christ n'est pas en toi, tu peux selon les hommes, être glorieux sur la terre, mais la gloire terrestre est très limitée. Amen. La plus grande gloire, c'est celle que nous vivrons lorsque Christ reviendra prendre son église. Le plus important pour nous, est-ce que tu seras glorifié avec lui quand il viendra? Aujourd'hui, quand quelqu'un a une voiture, une Jeep, une Mercedes, il est glorieux à la manière des hommes. Un mariage et toutes les choses, mais quand il reviendra, seras-tu dans sa gloire? Le plus important, c'est cela. Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte. Le développement croissant de la méchanceté des hommes montre que le temps du jugement s'approche. De quel côté seras-tu? Dans la gloire ou dans le feu? Ma prière, notre prière, que nous tous, tels que nous sommes réunis ce matin, que nous entrons dans sa grande gloire. Amen. Alléluia. Amen. Je peux vous assurer d'une chose. Avec l'intelligence du monde, tu peux avoir tout ce qui donne la gloire du monde. Mais avec l'intelligence du monde, avec l'argent du monde, tu ne peux pas accéder à la gloire éternelle. Seul Jésus.
te fait entrer dans la gloire éternelle. Ce matin, si quelqu'un a à se repentir, tu as déjà accepté le Seigneur. Tu as déjà accepté le Seigneur. Mais tu as rétrogradé. Tu es retourné dans les choses du monde. La gloire de Dieu n'est pas pour toi. La Bible dit, tous ont péché. Tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous fait priver la gloire de Dieu. Quels que soient les rituels que nous pouvons faire, huile d'onction, sainte scène, louange, dîme, le péché nous fait priver la gloire de Dieu. Ce matin, tenons-nous debout encore. Nous sommes en train d'assister jour après jour à la montée du péché dans le monde. Et une chose sur laquelle je suis en train d'écrire, je l'ai dit à Maman Nelly il y a quelques jours, il y a une coïncidence, une cohabitation pacifique entre le péché et la sainteté. L'Église du Seigneur perd la gloire parce que la sainteté cohabite pacifiquement avec le péché. Quel est ton état, mon frère, ma soeur? Avant qu'on passe à l'onction d'huile, je vais vous expliquer quel est ton état. Quel est mon état? Quelle est ton attitude vis-à-vis du péché? Quelle est mon attitude vis-à-vis du péché? Quand tu vas sortir, vas-tu aller pécher ou vas-tu aller marcher dans la crainte de Dieu? Les chrétiens aujourd'hui, nous venons à l'église normalement et nous vivons normalement en dehors de l'église dans le péché. Si ce message te condamne, c'est une bonne chose. Mieux vaut être condamné vivant que d'être condamné mort. Comme ça, tu peux changer. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui va dire, Seigneur, je veux prendre possession de cette gloire. Mais je me rends compte que tu n'es pas encore dans ma vie. Il y a quelqu'un qui veut dire ce matin, Seigneur, j'étais déjà invité dans ma vie il y a 10 ans, il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, je vis comme quelqu'un qui n'a jamais accepté le Seigneur. Ce matin, devant le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, me voici. Entre dans ma vie. Me voici. J'avais rétrogradé. Je reviens à toi. Car sans la sanctification, la gloire n'est pas envisageable. Élève ta voix. Je n'ai pas besoin d'être invité ici, mais j'ai besoin d'être invité à être très sincère. Sois sincère. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, reçois notre prière. Fidèle, tendre Père, nous venons à toi. Par cette prière, nous te demandons pardon. Père, car la gloire, même si nous marchons dans l'intimité, même si nous nous préparons, même si nous marchons dans le brisement, même si nous marchons dans la foi, mais avec le péché, cela annule tout. Père, ce matin, nous venons te dire pardon. En te disant pardon, nous disons non à la vie du péché. Seigneur, je dis non à la vie du péché. Seigneur, je dis non à la vie du péché. Car c'est ce péché qui prive la gloire. C'est le péché qui nous prive la gloire. Même celui qui se prépare bien, s'il vit dans le péché, sa préparation ne le fera pas entrer dans la gloire. La Bible dit,
que Saül, lorsqu'il sortait avec Jonathan, il gagnait toujours. Mais à cause de la désobéissance de Saül, l'onction sur sa tête a cessé et il n'a pas vécu la gloire. Le péché enlève la gloire dans la vie de quiconque. Ce matin, je n'aimerais pas que ça soit ton partage, ni mon partage. Père, nous renonçons à la vie des péchés, quel qu'il soit, mensonge, vol, détournement, corruption, impudicité, péché sexuel. Éternel, aide-nous à ne plus y retourner. Aide-nous à ne plus retourner aux choses que nous avons vomies. Aide-nous, Seigneur, ce matin. Aide-nous, Seigneur. Réactive la conscience. Il y a des chrétiens qui sont là. Ils n'ont plus des états d'âme. Quand ils pêchent, c'est normal. Oh Seigneur, aide-nous. Ta conscience ne te parle plus, mais tu t'appelles chrétien. Ta conscience ne te reproche plus rien. Tu ne pleures pas pour te pécher devant le Seigneur. Tu pêches et tu continues à vivre dans la maison de Dieu, dans les services. Tu es ouvrier, mais tu vis naturellement, régulièrement dans le péché. Seigneur, ce matin, aide-nous. Dans nos faiblesses, nous t'appelons. Viens nous aider, Seigneur. Est-ce que tu peux prier? Sambela Ponayo, s'il te plaît. Sambela. Sambela, oui, il y a la foi. C'est très important. Oui, il faut l'humilité. Oui, c'est important. Oui, il faut accepter les brisements. Très important. Oui, il faut accepter la préparation. Mais si toutes ces choses sont faites sous la base du péché, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu risques de dire que le prophète est un menteur. Non, il a dit la parole de Dieu. Mais il y a une condition, la sanctification. Chaque fois que Dieu devait se manifester dans sa gloire à son peuple, il disait, sanctifiez-vous aujourd'hui, sanctifiez-vous demain, car le troisième jour, je vais me montrer à vous, sanctifiez-vous. Père, je suis en train de prier que le Saint-Esprit revienne et réactive la conscience du péché dans cette église. Réactive la conscience, car la Bible dit, il vous convaincra du péché. Convainc-nous du péché. Il y a des gens qui font des réunions, ils disent, mais est-ce que on appelle ça l'issoumou? Est-ce que on appelle ça l'issoumou? Moli momo santu yaka, sunga biso, toyeba nini za l'issoumou, yaka na vinanga, toyeba ke corruption za l'issoumou, toyeba ke kotonga na za l'issoumou, toyeba kake kosanga na nzoto na mwasi na yote, na mobali na yote za l'issoumou, toyeba ke koyako yako vanda, yaka tovande za l'issoumou, toyeba ke kofinge za l'issoumou, négligence dans Moussala na yo za l'issoumou. Saint-Esprit, viens. Convainc-nous du péché afin que nous accédions à cette gloire. Oh Saint-Esprit, viens, convainc-moi, convainc chacun de nous dans notre vie quotidienne, dans notre travail, dans notre mariage, dans les études. Convainc-nous, convainc ses frères, ses soeurs, que les circuits aux études, ce sont des péchés. Les circuits, tu dis oui, il y a un circuit et tu es content qu'il y ait un circuit. La tricherie, c'est un péché. La conscience des gens sont morts. Ces derniers temps, Seigneur Saint-Esprit, je t'en supplie, viens avec ton onction sur nous. Réactive la conscience du péché. Réactive la conscience du péché. Dans ce pays, dans toutes les institutions, réactive la conscience du péché. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Matondi Molimo Santo. Merci pour avoir accepté notre repentance. Merci pour le sang de Jésus qui a purifié nos péchés. Oh, je dis merci pour le sang de Jésus qui a purifié nos péchés. Merci pour le sang de Jésus qui a purifié nos péchés. Tu es pardonné. Tu es glorifié. Tu es pardonné. Tu es glorifié.
kembo. Je dis à quelqu'un, tu es pardonné. Olimisami. Tu es glorifié. Kotina kembo. Car la justification précède la glorification. Là où il y a le pardon de péché, il y a la glorification. Kotina kembo. Tu es glorifié, mon frère. Kotina kembo. Tu es glorifié, ma sœur. Kotina kembo de komwasi. Oublie ton péché. Kotina masumu na yo. Oublie ce péché. Kotina masumu wana. Dans le sang de Jésus. Kotina maklan na Yesu. Dans la fe. Et ce qu'il a fait entrer ici-o dans la gloire. Nakatina kembo. Amen. Amen. Acclamons le roi de rois. Acclamons Jésus de Nazareth. Betela Yesu Masia na Nazareth maboko. Mets-toi. Vanda. Avant de faire les services d'onction d'huile. Yamoto sa mosala e pa mafuta n'est pas quoi. Et de partir. Pia kozonga. Nous avons pris l'habitude d'expliquer pourquoi on fait ça. Parce que beaucoup de gens pratiquent certains rituels bibliques sans remplir les conditions. Et ça devient comme de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Dieu peut utiliser n'importe quelle matière pour faire passer sa puissance. Mais nous ne nous attachons pas, nous ne faisons pas un culte des matières que Dieu utilise. Nous faisons juste application de ses instructions. Alléluia. Amen. Demain, il peut utiliser l'eau. Il peut utiliser un gâteau. Il peut utiliser les sables. Il peut utiliser la salive. Nous ne pouvons pas limiter Dieu dans ce qu'il peut faire, dans ce qu'il peut utiliser. Mais nous ne sommes pas permis de remplacer Jésus. Nous ne sommes pas permis de remplacer Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Samuel, le verset 16 et le verset 13. Samuel, le verset 13, ce n'est pas une prédication, je vous donne juste rapidement. Lorsque Samuel a oint David, David a cessé d'être le berger des brebis de son père. David a cessé d'être le berger. Il est devenu le berger d'une nation. Amen. Lorsque l'onction vient sur toi, il y a changement d'identité. Je dis à quelqu'un ce matin, par les services d'onction d'huile, il y aura changement d'identité. Comme Pierre, lorsqu'il a rencontré le Christ, qui est loin, il est passé de pêcheur de poissons en pêcheur d'hommes. L'onction sur toi te fait passer d'un niveau à un autre, d'une destinée à un autre. On a parlé de la foi comme élément nécessaire pour entrer dans la gloire. Pendant que nous allons pratiquer l'onction d'huile, dis-toi, par cette onction d'huile, je cesse d'être un commerçant détaillant, je deviens un commerçant grossiste. Oh, est-ce que tu m'as entendu? Par cette onction d'huile, je cesse d'être fiancé, je deviens marié. Oh, je croyais que quelqu'un dirait amen. Par cette onction d'huile, ce matin, je cesse d'être juste locataire, je deviens bailleur. Lorsque l'onction est déposée sur la tête de quelqu'un, il y a changement d'identité, changement de destinée. Ma prière ce matin, par ta foi,
par ta foi, qu'un changement s'opère dans ta vie, qu'un changement entre dans ta vie, au nom suprême de Jésus-Christ. Écoute-moi, la Bible dit, Saül et Jonathan, lorsqu'ils sortaient, ils allaient faire leur travail, à cause de l'onction sur leur tête, leurs armes remportait toujours des victoires. Mais lorsque l'onction a cessé de les oindre, les mêmes armes n'ont pas pu leur donner la victoire. Frères et sœurs, peu importe les outils que tu as pour accomplir ton travail, si l'onction quitte ta tête, les mêmes instruments qui t'ont donné les victoires vont te donner la honte. Ça va te donner la honte. Lorsqu'il n'y a pas l'onction, il y a la honte. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, l'onction coulera sur ta tête. Et chaque fois que tu sortiras avec tes outils et tes armes, tu vas rentrer avec la victoire. Je dis à quelqu'un, tu vas rentrer avec la victoire. Je dis à quelqu'un, tu vas rentrer avec la victoire. Non, je dis à quelqu'un, tu vas rentrer avec la victoire. La stratégie que tu as mise en place, la stratégie que tu as montée, avancer par l'onction de ce matin, tu vas réussir, tu vas remporter la victoire. Il y a la victoire là où il y a l'onction, au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, pourquoi les héros sont-ils tombés? Pourquoi les courageux, les combattants sont-ils tombés? L'huile a cessé de les oindre. Lorsque l'huile cesse de vous oindre, c'est la chute. Je dis à quelqu'un, à cause de l'onction de ce matin, tu ne vas pas tomber. Amen. C'est profond. Merci prophète, tu as parlé de la foi. Et je prépare l'enseignement sur la destinée. Ta foi te fait entrer dans ta destinée. Et ça ne s'efforce pas. Dans cet enseignement, je vais vous dire notamment pourquoi Jésus arrive à la peste. Piscine de Bethesda et n'a guéri qu'une personne. Frère, c'est pas parce que nous tous sommes là dans la présence de Dieu que tous nous allons sortir avec la gloire. Ça dépend. Et je suis en train de voir les personnes qui sont en train de le recevoir. Yes. C'est que tu aies cette foi qui va faire que tu ne tombes plus. Oh, je dis à quelqu'un que tu ne tombes plus. Par l'onction de ce matin que ta femme ne tombe pas. Par l'onction de ce matin que ton mariage ne tombe pas. Par l'onction de ce matin que tu ne tombes pas dans tes études, dans tes affaires, dans tes finances. Par l'onction de ce matin que tu ne tombes plus. Au nom suprême de Jésus Christ, l'onction sur la tête de Jonathan lui a garanti la victoire. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a l'onction sur ta tête, la joie de vivre est garantie. Alléluia. Amen. La Bible dit, que en tout temps, que tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant le jour de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est la part de la vie. Au milieu de ton travail,
que tu fais sous le soleil. Na katia mosala na yo. Là où il y a l'onction d'huile. Tango epakola mesali mafuta. Ton travail. Mosala na yo. Ne sera plus sujet de deuil. Ce matin raté. Mais tu vas jouir de son travail. Tango sepena mosala na yo. Là où il y a l'onction d'huile. Est-ce que epakola mesali? Tu jouiras de ton travail. Tango sepena mosala na yo. Le travail que tu fais. Mosala mosala. Ne va plus te faire murmurer. Tango sali zo ima ima te. Va te faire danser. Tango bini sayo. Oh, alléluia. Je pensais que quelqu'un le croyait. Mozindo. C'est la parole du Seigneur. Si l'onction est sur ta tête, tu jouiras de ton travail. Écoute-moi. Yokanga. Dieu n'a pas établi le travail comme une malédiction, mais hey, comme une bénédiction. Je dis à quelqu'un ce matin, Atongo, tu ne vas pas travailler pour pleurer, okosala te mais tu vas travailler pour te réjouir. Yokosala po sepela. Tu n'as pas entendu. Oyokinga tu ne vas pas travailler pour pleurer, okosala te mais tu vas travailler pour te réjouir. Yokosala ne po sepela. Par l'onction d'huile ce matin, mafuta na tongo lelo. Par l'onction d'huile ce matin, lorsque tu sortiras, tu rentreras avec un meilleur résultat. Lorsque tu sortiras, tu rentreras avec un meilleur résultat. Dans tous les combats, tu seras vainqueur. Dans tous les combats, tu rentreras vainqueur. Aucun combat, dans aucun combat, tu rentreras perdant. À cause de l'onction d'huile de Dieu, tous tes outils, et ça, tous ces moyens pour réussir tes objectifs, tu vas réussir. Je dis tu vas réussir au nom suprême de Jésus. Tu vas réussir. Tu sortiras en vainqueur pour vaincre. Tu ne sortiras pas pour essayer de vaincre. Tu sortiras en vainqueur pour vaincre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Tes finances ne tomberont plus. Ta situation financière ne va plus tomber. Ta situation professionnelle ne va plus tomber. Ta situation dans le foyer ne va plus tomber. La chute ne sera plus ton partage. Par l'onction d'huile de ce matin, la chute ne sera pas ton partage. Tu ne vas pas reculer. Tu ne vas pas chuter. Par l'onction d'huile de ce matin, ta destinée connaît un changement. Ta destinée connaît un changement. Comme Pierre a rencontré loin, comme Pierre a rencontré le Christ, là où tu avais échoué dans ton travail, ce matin, par l'onction d'huile, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Ce matin, à cause de l'onction, à cause de Christ, ce matin, toi qui avais échoué hier, malgré tout ce que tu as fait, avec le même bateau, avec la même personne, tu vas réussir. Tu vas réussir. Pierre n'a pas changé de bateau. Il a pris le même bateau, le même lac. Il a gagné à cause de Christ. À cause de Christ. Quelqu'un qui a été découragé, n'abandonne pas les secteurs. Ne change pas d'activité. Dans cette activité-là, tu vas réussir. Je dis à quelqu'un ce matin, parce que Dieu t'a établi, parce que Dieu m'a établi, et il m'a envoyé dire cette parole, ta destinée connaît un changement. Au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Pierre, David, il vivait un métier caché de berger. Mais lorsque l'onction est venue sur lui, il a cessé d'être caché. L'onction l'a exposé. Oh, je dis à quelqu'un au nom de Jésus, je le sens sur quelqu'un ce matin. Je le sens cette parole sur quelqu'un. Tu as été longtemps caché. Tu travailles dur. Tu te bats contre les situations difficiles en cachette. Ton père ne voit pas ça. Ta mère ne voit pas ça. Ton chef ne voit pas ça. Je dis à quelqu'un ce matin, à cause de l'onction de ce matin, on va te voir. On va te voir. On va te voir. On va te voir. À cause de l'onction de ce matin, tu vas cesser d'être
dans la cachette, l'onction va t'exposer. Alléluia. Oh, au nom de Jésus. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin, tiens-toi debout là où tu es. Ce matin, Dieu nous a dit cette année, bénis mon peuple. Bénis mon peuple. Ils écoutent la parole, mais donne-leur la bénédiction. Cette année, tu es condamné à la bénédiction. Tu es condamné. Je dis SSM, tu es condamné. Je dis tu es condamné. Aucun diable ne va l'empêcher. Aucun homme ne va l'empêcher. La bénédiction de ce matin va s'écouler à ta vie. Va se coller à ta peau. Va se coller à ta famille. Ce matin, commence à déclarer ces choses. 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 Commence à les déclarer. Dis-le ce matin. Ma destinée change. Ma destinée change. Comme Saül. Je passe des bergers et des chercheurs de brebis. Je deviens roi. Commence à déclarer. Comme Saül. Comme David. Je quitte la bergerie cachée. Vers une bergerie élevée. Au nom de Jésus. Déclare comme Pierre. Là où j'avais échoué. À cause de l'onction de ce matin. J'ai réussi. J'ai réussi. Déclare-le ce matin. Comme Saül. Comme Jonathan. Lorsque l'onction était sur la tête, il sortait et il rentrait avec des victoires. Moi aussi, à partir d'aujourd'hui, je sortirai et je rentrerai avec la victoire, avec des butins, avec des biens, à cause de l'onction. Je ne tomberai plus. Je ne tomberai plus. Mes finances ne vont plus descendre. Mes finances vont monter. Au travail, je vais être promu. Dans ce que je fais, je monte. Je monte. Déclare, s'il te plaît. Déclare-le. 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 Déclare, ne t'étais pas. Ce matin. Ce matin. Par cette onction d'huile. Tout ce qui t'a fait tomber hier. Ne va plus te faire tomber à partir d'aujourd'hui. Quand tu sortiras. Tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours vainqueur. Tout celui qui ce matin. Tout celui ce matin est exposé à ses services. Reçois ces paroles. Que ces paroles s'attachent à toi. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Ce matin. Ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez avancer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, avance en déclarant. Avance et continue à déclarer. Continue à déclarer. Avance et continue à déclarer. Ne t'étais pas. Cette marque est sur toi. Avance. Ne t'étais pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avance. Ne t'étais pas. Avance. S'il te plaît, parle. 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 Tatola. Parle. Loba. Parle. Tatola. Parle. Loba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue à parler. Continue à parler. Continue à parler. Continue à parler. Dans le nom de Jésus. Ce matin. Par l'onction d'huile. La vie
change. Ton identité change. Ton identité change. Ton identité change. Ça change. Ça change. Ça change. Ça change. Au nom suprême. Le Christ. Au nom de Jésus. Reçois cette onction sur ta tête. Marque des royautés. Marque des changements, des destinées, d'avenir, dans le travail, dans le mariage, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ce matin, là où tu avais échoué, tu ne vas plus échouer, là où tu avais échoué, tu ne vas plus échouer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a une ligne, maman Nelly, s'il vous plaît. Protocole, aidez-nous. Maman Nelly, ça paye mon compte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin, dans le nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, les chaînes tombent, les liens tombent, les échecs partent, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il y a un changement, un miracle, un changement dans ma destinée, ce matin, changement de destinée. Je cesse d'être cet ouvrier caché, je suis public, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par l'onction du lieu ce matin, un miracle se produit dans ton foyer, il y a un roi qui est établi dans ton foyer. Dans la famille d'Esaïe, il n'y avait pas de roi. Lorsque David a été roi, cette famille a eu un roi. Cette famille a été affranchie. L'onction de Dieu sur ta tête. L'onction de Dieu sur ta tête. Sauve aussi ta famille. À cause de l'onction sur la tête de David, même sa famille en a bénéficié. À cause de l'onction sur la tête de David, même le mariage est entré. David se marie avec la fille du roi. À cause de l'onction, même le mariage, même le mariage connaît un changement. À cause de l'onction, à cause de l'onction, le mariage difficile a été rendu possible. Se marier avec la fille du roi, un berger, l'onction rend les choses possibles, les choses impossibles. L'onction sur ta tête le rend possible, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si tu le crois, déclare à partir de maintenant, ce qui était impossible, ça devient possible à cause de l'onction sur ma tête, sur ma tête, à cause de l'onction sur ma tête, ce matin, à cause de l'onction de Dieu sur ma tête, à cause de l'onction de Dieu sur ma tête, les choses impossibles deviennent possibles à cause de l'onction sur ma tête. Rassate les bras de Kenos. Zitere maïde Keno la blakato seketendas. Hehehe da kanara brakato saye madelenos. Parle. Un miracle dans ta vie ce matin. Parle. Parle. Ce matin, parle.
Fais une déclaration de foi. Je ne vais pas terminer février comme je l'ai commencé. Mes dettes sont payées. Ce dossier était bloqué. Ce contrat était bloqué. Ce marché était bloqué. Ce matin, au nom suprême de Christ, ce mariage est libéré. La guérison est là. La guérison est là. Ce matin, ce matin, changement, Bongwana, changement, Bongwana, changement, Bongwana. Un berger qui devient roi. Berger devient roi. Berger devient roi. Berger devient roi. Devient roi. Ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, que la situation dans ton mariage change. Dans ton mariage, que la situation change. Ce matin, ce matin, ce matin, tu t'es battu comme Pierre toute la nuit. Ça ne marche pas. Ce matin, à cause de l'onction, que ça marche. Que ça marche. Que ça marche. Que ça réussisse. Que ça marche. Que ça donne de bons résultats. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, 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 ce matin, que ce business grandisse. Que ce business change de situation. Que ton business devienne grand. Ce matin. Ce matin. Ce matin, que la face de l'Éternel brille sur toi. Brille. Sors de l'ombre. L'onction a obligé. Les prophètes à attendre. Qu'on ne prenne pas la décision si tu n'es pas là. Au nom de Jésus, comme David, tout a été arrêté jusqu'à ce qu'il vienne. Que la situation s'arrête jusqu'à ce que tu viennes. On ne signera pas cette ordonnance. Si on ne met pas ton nom dedans, on ne signera pas cet arrêté. Si on ne met pas ton nom dedans, on ne signera pas ce décret. Si on ne met pas ton nom dedans, ce matin, il m'a dit bénis ton peuple. Bénis le peuple. Nous sommes un peuple béni. Rien ne peut empêcher ça. Nous sommes un peuple glorifié. Rien ne peut empêcher ça. Nous sommes glorifiés. Et que cette gloire devienne manifeste. Ce matin. Tongo ya lelo. Tongo ya lelo. Tongo ya lelo. Ce matin. Tongo ya lelo. Prie, Sambela. Prie, Sambela. Déclare, yo tatola. Déclare, tatola. L'onction sur David. Et pas qu'on a mis Nicolas Taoui. L'a rendu vainqueur de Goliath. Et pressé l'homme à l'imposé Goliath. Là où les grands n'ont pas pu gagner. Là où les experts n'ont pas pu gagner. Et si on va tout enseigné David. Et suite à où tu es pressé l'homme. Là où Eliab a échoué, tu vas gagner. Là où Eliab n'a pas pu réussir, toi tu vas réussir. Là où le président de la République a échoué, toi tu vas réussir. Là où papa et maman ont échoué, toi tu vas réussir. Là où les grands frères ont échoué,
Toi tu vas réussir. Eliab a échoué. Eliab a échoué. Et David qui a reçu l'onction a réussi. David a fait tomber Goliath. Goliath. Ce matin, tu vas faire tomber le Goliath de ta famille. A cause de l'onction de Dieu sur ta tête. Toutes les situations difficiles dans la famille, dans le pays, Dieu va t'utiliser. À cause de cette onction, ce matin, ce matin, tu vas relever les défis. Les défis difficiles, tu vas le relever. Tu vas le relever. Tu vas le relever. Tous les défis. Je dis à quelqu'un qui est un chrétien, tu vas relever les situations difficiles. Aucun défi ne va t'enterrer. Aucun combat ne va t'enterrer. Aucun combat ne va t'enterrer. À cause de l'onction de ce matin, un miracle dans ta vie, tu vas vaincre ce Goliath. Goliath, tu es vaincu. Goliath, au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Ce matin, par cette onction d'huile, ta destinée connaît un changement. Ta destinée connaît un changement. Il t'a appelé. Il t'a destiné à la gloire. Pas à la misère. Pas à la pauvreté. Il t'a destiné à la gloire. Un ouin est un glorifié. Tu es glorifié. Ma soeur, 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 tu es glorifié. Mon frère, tu es glorifié. Ta destinée connaît la gloire. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Quelqu'un peut-il pousser des cris de joie? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Non, est-ce que nous pouvons pousser des cris de victoire? Beta makelelo. Beta maboko na malamu. Quelque chose s'est passé ce matin. Ngozo beta maboko makamulo salema. Ce matin, tongwa lelo. L'onction de mon père a choisi à moi par sa puissance. Yo, il y a des miracles ce matin. Il y a des miracles ce matin. Miracles partout. À cause de l'onction. Miracles partout. Ce matin, par la foi que tu as, prends possession de ta gloire. Prends possession de ton miracle. Acclame le Seigneur. Acclame. Tu es béni. Au pambolami. Tu es béni. Yo, au pambolami. Tu es béni. Au pambolami. La dernière chose. Et le rasuka. Quand tu touches un ouin, dans au simi mo pakolami, dans le but de lui faire du mal, nali kanisa ko salai mabe, ta terre devient stérile. Ma belle na we komi komba. Là où un ouin tombe, cette terre est maudite. Ça veut dire tout celui qui va travailler
pour te faire tomber. Sa vie devient stérile. Sa vie devient stérile. Sa vie devient stérile. Sa vie devient stérile. Le Dieu des cieux qui nous a donné cette instruction. Je te dis au nom suprême de Jésus. Que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas. Tout celui qui va se réjouir de ta chute, sa vie devient stérile. Et que combat. Ça veut dire. Par cette onction d'huile, tu es une personne dangereuse. Prends conscience de ça. Marche la tête haute. Car l'onction va t'enseigner des choses. N'aie plus peur. Le Saint-Esprit en toi va te communiquer les informations que le diplôme d'État ne t'a pas donné. Tous tels que vous êtes là, par l'onction du Saint-Esprit, recevez une intelligence supérieure. Car par l'intelligence, la gloire se manifeste. Le rayonnement se manifeste. Cela est ainsi au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Félicitations. Prenez place. Longoni amingi pona yo. Joyeux Sika.